Recording. Donc on est là pour le deuxième match entre Watch Your Backs et Spanish Selection. C'est Watch Your Back qui avait gagné le premier match. En attendant, on va chercher la balle. Pouf qui arrive en premier. Element directement stun, mort. Un stun en peine, t'es mort. C'est comme ça. T'as plus assez d'SP pour rien faire. C'est 90 SP. T'as 100 SP, enfin 108. Hop, Thorax, que vas-tu nous faire? Ça tire, ça tire. Est-ce qu'ils vont utiliser le bug? Hein, ils vont utiliser le bug, donc il y en a un qui est mort. Non, il a pas sauté quand il est mort. Si, c'est bon, il a pu. Kame a récupéré la balle par en haut. Mais il était au courant du bug, c'est donc pour ça qu'il l'attendait en haut. Hop, très beau trick, sauf qu'il est mort. Étrange, je sais pas, il avait pas d'armes. Un peu étrange, il est fin, il fait un RC alors qu'il sortait un peu de sa maison, genre il avait plus de munitions déjà. Alors, on sait que chez les Spanish Selection, ils ont pris une sentry. La sentry qui est très forte sur cette map, simplement parce que elle deal beaucoup, beaucoup. J'aimerais bien être à l'intérieur là. Voilà, comme ça on voit bien. Kame, oui, hop. Mais j'arrive pas à être à l'intérieur comme je veux. Ok, ça reset. Hop. Ça se tire dessus. PK qui prend la balle du coup, et là sa sentry qui tire toujours, on voit la sentry là qui est en train de tirer, là tu tirais au moins un bon 12 fois, ça fait tellement de dégâts sur cette map. Alors niveau points, c'est les Watch Your Back qui gagnent, ils gagnent souvent niveau points 0-0. Ok, ça a changé de côté, c'est plus 1 maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont tenter? Il essaye de sauter, d'arriver, ok. Ah, grâce à son reload, là il a pu arriver. Ok, ça se barre. Ils n'arrivent pas à sortir de chez eux s'ils arrivent. Ça recharge, ça se tire dessus. Il n'a pas mis sa sentry. Ok, celui qui a la sentry est mort, donc ça explique certaines choses. Alors Liz qui a voulu tenter un jump, il a raté. Il rate beaucoup de jump à cause des revos. Les revos qui arrêtent pas de push. Et donc c'est parfois compliqué de faire un jump que tu réussis à entrer, mais... En game, c'est toujours un peu différent. Il y a des revos, il y a le stress, et tout et tout ça. Ok, il essaye de monter sur avec un RC. C'est un bon trick, évidemment, celui-là, mais sert pas forcément celui-ci, si, il sert beaucoup. Ok, Kame qui est passé, je pense qu'il mettait un stun à War Star et c'était peut-être le TD. Alors. Ça attaque de l'autre côté par les escaliers. Boom, stun, t'es mort, voilà. Kame qui s'est fait mettre beaucoup de dégâts par un assaut. J'ai pas vu qui c'est qui a tiré. Et pourquoi il a voulu. Et il le laisse tout seul comme ça, c'est pas grave, il y a quelqu'un pour l'attendre. On va voir qui. Lilith, oui. Ok, ça va reset sans doute. On va attendre qu'il reset. Voilà, je sais pas exactement ce qui se passe. Hop, Thorax qui a pris la balle. Mode rapide. Hop, ça essaye de trick, ça a encore une fois raté. Là, je pense que c'était fait exprès, c'était juste pour essayer de feinter les ennemis. Alors, Barba qui utilise son marteau, qui a utilisé son marteau plutôt à bon escient. Hop, il est passé, Kame qui est passé. Oh. Ça allait vite, ça a été vite, très vite, je trouve. Ça aurait pu donner quelque chose de bien, je pense vraiment. Alors, Ernest, oui, les reload cancel. Ok, ça essaye de push. Alors on essaye de voir sur deux étages ce qui se passe. Ok, il y a des stuns, il y a des marteaux. Tout ça se tape dessus. Et c'est au résultat l'Espagne qui arrive à s'en sortir. Ok, il a vidé son arme pour faire le RC. Ouf, ça tire. Il tire un peu. Star, machin. Ok, génial. Il a essayé d'aller vite et puis non. Du coup, les Spanish Action qui repartent. Oh, ce push, plutôt beau push des Mount.
Essayer de se mettre pour voir quelque chose. Ok. Ça arrête pas de bouger dans tous les sens. Ça spam. Avec la CS, ça réussit à se dégager. Ils sont 5, ils vont donc attaquer. Ils devraient sans doute attaquer par en dessous et essayer d'utiliser le bug des escaliers. Ça pourrait brain les Espagnols, je pense. Alors ça se tire dessus. Ok, l'élite qui a pris la balle, il protège bien au-dessus. Voilà, ils savent très bien que ça sert à rien d'aller chercher la balle, que si jamais tu vas en dessous, tu peux te faire choper par au-dessus. Ils connaissent la map, on va dire. Du coup, il prend la balle, il décide d'attaquer par une autre voie. Le stun qui a été raté, du coup tu bouges pas pendant quelques secondes, il s'est ramassé plein de dégâts à l'élite. Ernest qui tempo, ils savent pas trop par où aller. Il essaye un relais, non. Il est mort, il essaie de tempo, Thorax, coup de marteau, deux fois. Il doit plus avoir beaucoup de PV, une petite vingtaine de PV, c'est tout. Ils essayent même pas de le focus. S'ils savent qu'il est low, vaut mieux focus les relais. Voilà, la balle elle a été mise loin en attendant, donc c'était pas forcément une bonne idée. Ok, il a raté. Ah, le stun, c'est bon. Lilith qui a la balle. Il tente de passer avec les wall push, il a pas réussi. Ouf, le marteau. Ok, le reload cancel. Oups, ça tire. Il casse la porte pour pouvoir y entrer. Hop, il va attaquer. On se met de l'autre côté. Hop, le marteau, il va falloir un relais s'ils veulent marquer. Ils sont prêts, ils sont quand même beaucoup. Oui, et ça marque. Thorax qui marque. Watch your back qui mène 1-0 du coup. Je suis désolé pour lui, j'ai plus ma souris. Je sais pas, j'appuie sur Enter. Non, ça marche pas non plus. Allez, il est temps de partir. Non, hop. Hey! Ok, on suit la balle. Je me suis un peu fait, il y a un. Des gens qui m'appellent. Sans doute pour une très bonne raison qui m'appellent. Pour un de mes projets. Mais là on est occupé. Alors. Ils ont réussi à se mettre sur le balcon. Comment il fait? Il n'y a pas grand monde en haut pour défendre. Barba qui vient utiliser son marteau dans le tas. Il a eu du temps avant de mourir. Il était 1 contre 3. C'est pas passé. Ok. Fait caca la balle. Il doit reset là. Sinon ça devient dur. Ok. Hop. On est au milieu. Qui va chercher la balle? Ok, RS qui prend la balle du coup. J'écorche plein de noms aujourd'hui, on m'a dit, c'est pas grave. Alors Element qui voulait tenter un espèce de trick parfait avec des dodges, tout ça, il a raté. Alors il monte les escaliers. Ok. Ils vont essayer de partir. Oh. Il se dégage, hein, il se met au milieu de la map. C'est pas forcément une bonne place là. Un jump, il se retrouve au-dessus. Un autre jump, il est tout en haut. Alors oui, il est monté. Donc souvent, ce qui fait la différence dans un match serré comme ça, c'est l'utilisation des swords, hein, on va dire. Je veux dire, t'as réussi à mettre un gros coup de marteau ou à mettre un heavy critique à quelqu'un. Souvent, t'as gagné. Alors qu'au niveau tir, voilà, ça change pas forcément grand-chose. Ah, ok. Le marteau à travers les lasers, c'est pas mal ça. Element qui se retrouve vraiment tout seul là, ça sent le TD. Pouf, 2-0. Alors, la technique de la Spanish Election, c'est d'essayer de tuer les relais et parfois ils oublient clairement la balle et. Du coup, bah, la balle qui n'a plus qu'à courir quand elle n'a pas réussi à être tuée. Ça peut être embêtant parfois. Ok, Kame qui passe. Ça tire. Difficile à voir ce qui se passe. Là, c'est un peu l'angle mort de la map. Malgré qu'on puisse y voir à travers les murs. C'est des murs dans lesquels on ne voit pas à travers. Ok, il dash pour se mettre en sécurité. Il se met derrière les barils, il attend que sa team essaie de tuer un max de monde. Faker qui prend la balle, s'il y a quelqu'un au-dessus, Barbara qui doit prendre la balle là, pas par en dessous, par au-dessus. Par au-dessus, on a dit. Ok, il a quand même réussi à la prendre par en dessous. Je ne veux pas dire que c'est de la chance, mais je pense que ça aurait été plus sécurisé. Ouais.
Donc ça va être 2-0 pour la première mi-temps. Ça va être compliqué à rattraper pour la Spanish Action. Oups. Voilà, c'est la mi-temps. Et la balle qui reste buggée un peu partout. Donc on m'annonce des mauvaises nouvelles sur Skype, je suis un peu déçu. Hop, on va regarder la balle qui va arriver en premier. C'est Kem qui arrive et du coup il reçoit un coup de marteau, un deuxième. Je suis pas sûr qu'il ait touché le deuxième. Je pense que oui. Je suis pas sûr. Ouais, du coup un tir, oui, le marteau qui a bien touché deux fois. On reçoit la sentry qui parle, elle touche, il a perdu masse PV quand même. Ok, il se retrouve en dessous. Sa team qui... il a plus de team en fait. Tous les relais ont été tués ou sont très loin de lui. Donc parfois avoir la balle, c'est sécurisant, tu te fais pas forcément focus. Alors Element, lui, il a toujours... Il essaye de se défendre avec sa CS, bon dans un coin là c'est dur. Ouh, saute sur la lampe pour pouvoir partir. Lilith, ok. Ouf. Le stun qui passe pas, du coup ils vont de nouveau. Ils vont essayer de passer par en dessous de nouveau, peut-être avec un bug, non. On essaye de monter le plus rapidement possible. Ok, encore un RC, il est tout en haut déjà. Si sa team a suivi et va essayer de mettre un petit spam là, ça peut marcher. Hop, et le TD. Hop, c'est Element qui prend la balle, du coup il reçoit un stun t'es mort, t'as plus d'SP pour partir. Alors... Moki... Il reçoit plein de dégâts, c'est bon, il est mort. Barba qui prend la balle, ils meurent tous, ils vont tous mourir un par un là. C'est dans une mauvaise phase, aucune des deux équipes a réussi à prendre le dessus vraiment sur l'autre, du coup bah, celui qui prend la balle se focus et puis c'est fini. Ok, quoique l'élite a décidé de... avait encore quelques PV, lui, il saute, il réussit à passer, malgré le push qu'il vient de recevoir. Oups, on essaye de le suivre, on va aller de l'autre côté. Ok, hop, Element qui prend la balle, reset. La sentry qui a tiré, il n'y a plus beaucoup de PV, Ernest non plus. Enfin, Ernest, il n'en a pas beaucoup. Donc il y en a enfin, un avantage pour les Espagnols, c'est qu'eux ils ont une sentry. Mais bon, la sentry pour l'instant qui paye pas. Pourtant on voit qu'elle deal pas mal de dégâts. Ouh. Ok, RS qui prend leur balle. Kim qui voulait mettre des criticals, mais bon, hein, l'assaut c'est bien, c'est fort, mais ça met pas de criticals dans la tête. Ça en met seulement aléatoirement. Sinon ce serait abusé, hein, ça pouvait aussi en mettre dans la tête. Ok, est-ce qu'il va réussir à passer? Ah, il a réussi à faire quelque chose de pas mal, il a réussi à passer, il a plus beaucoup de PV, mais il dash, il la met. Mais je pense clairement que sa barre de PV est insignifiante là. Hop, il se trouve dans la maison. Ah, ils se battent pour essayer de prendre la balle, et maintenant qu'il prend la balle, il saute sur la petite pouille. Ok, FK. C'est une bonne attaque sur les escaliers. Ils sont deux. De l'autre côté, il y a Ernest qui vient de revivre. Barba qui a essayé avec C'est un son. Oui. BO1 ou un BO2, les semis? Le semi, c'est un BO3 là. Enfin, il faut gagner deux matchs. Après, c'est un BO3. Donc voilà, Kitoni qui est un peu absent de ces tournois. Ouais, j'étais pas là pour. Cette journée là, j'étais là. Ouais, voilà. Ouais, donc il y a bien plusieurs matchs. Le premier match sur CST3, le deuxième sur Temple M. Et après, je sais plus sur quoi c'est. On verra bien. C'est. Ah non. Temple M. Je sais plus c'est quoi.
Voilà donc les maps qui ont été prédéfinies à l'avance, comme ça les teams pouvaient s'entraîner. On a bien vu, on a même donné la chance à tout le monde de faire un ST2 en premier. Tout le monde s'est amusé sur la map qu'il préfère. Ouh. Wow Stars, ok, il se met dans le coin pour essayer de tempo. Et aucun de sa team ne peut prendre la balle par au-dessus. Et il a pas sauté, et donc tu sais pas prendre la balle par au-dessus. Il est déçu, Kane. Du coup, Element qui allait chercher la balle, donc il faut bien sauter quand tu meurs, donc faire un dead jump. Il a tenté un RC, il a pas réussi. Barbara qui se dégage, enfin qui court très loin, donc il se dégage. Hein. Lilith, ok, il va sauter sur le petit truc, il va remonter le plus vite possible. Non, il s'est fait coincer au-dessus par Element. Du coup, oups. Ça court, ça se tire dessus, ça dash. Compliqué là les fights au mid là. Il n'y en a plus beaucoup. Ils sont plutôt mal mis les Espagnols en ce moment, quoi qu'ils ont réussi à rattraper, donc c'est pas mal. Ok, la centrise là qui était un peu mal mise, je pense. La centrise qui tire, mais dans le truc jaune, voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc, Fekka qui a mal mis sa centrise. Une centrise mal mise ou une centrise bien mise, ça peut changer la game. Ok, Lilith qui reset, Thorax qui prend la balle. Et il va se mettre sur le balcon en attendant ses copains. Mais il s'est fait stun et là il est plutôt déçu. Il a voulu sortir le marteau, mais quand t'es stun le marteau, ça marche pas. Voilà, hop. Alors ce qui se passe, Kame qui s'est fait clouer. On peut dire. Thorax qui a cloué les deux attaquants. Quand même difficile de passer les marteaux en peine, ça fait massive damage et vu le temps de cooldown entre les deux jump attack, ça va se vite. Bon, ça tire, ok. Ils vont pouvoir prendre la balle, donc c'est pas. C'est quelqu'un qui a pris la balle, l'autre part au-dessus. Il se dégage du coup, oups. Il va se mettre en dessous, il va essayer de tempo pour sa team, il devrait se mettre en dessous de ces escaliers là. Ok, il décide de partir. Vers le front. Hop. Les stuns, tout ça. Element qui a plus beaucoup d'SP, donc il peut pas faire grand chose. Barba qui prend la balle. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il tape un bon coup et essaye de casser. Essaye de casser War. Je pense que si les jaunes arrivent à prendre la balle là, ça peut clairement faire le TD. Ah, dommage, il s'est fait cancel. Voilà, Kim qui a pas plus forcément beaucoup de PV, c'est dommage pour eux, mais. Ah, dommage, je pense pas qu'il pourra marquer. Si, il a marqué, il a tourné autour des TD et il a dash. On va regarder un peu les points. Voilà, c'est quand même serré. Alors, qui vient prendre la balle au premier? Element qui prend la balle. Voilà, la sentry là qui a clairement deal beaucoup beaucoup de dommages et donc c'est normal que les Espagnols s'imposent après ce fight au mid. Ok, il remet une sentry. Ouais, pourquoi pas. Du coup, j'aurais peut-être été en dessous des escaliers pour remettre ma sentry ici. Enfin, je pense. Sur les boîtes, c'était pas forcément dingue. Alors Watch Oba qui reprennent la balle, la sentry qui vient d'être posée, mais elle aura pas le temps de tirer si elle tire une fois, mais. Une fois une sentry, c'est pas fou. Il faut essayer de poser la sentry quand les autres les voient pas. Bon bah t'as pas toujours le temps de poser ta sentry quand les autres voient pas. Ok, il remet cette sentry à cette place là. Ok, comme ça il peut tirer vers l'avant. Est-ce que la sentry fait masse dégâts ou pas? En tout cas elle tire. Ok, voilà, il s'est fait prendre par derrière, la sentry était mal mise. Pour ça, je pense que la sentry peut être bien dans ce cas-ci, mais seulement si tu joues en dessous de l'escalier. Tu la mets vers l'extérieur et ça veut dire que bah, ils viennent de n'importe où, les gens, bah, ils vont se prendre des dégâts. Et ils seront pas l'esquiver. Ok, un coup de marteau qui a fait descendre Elements. On peut dire que ce marteau pèse. Hein.
Ok, RS qui prend la balle, qu'est-ce qu'il va tenter? Il fait une feinte, il fait genre on va passer par en dessous, non on va passer par au-dessus, on tente des RC, tout ça. Oups, le marteau qui cancel l'action de Kame. Alors Barbac à nouveau la balle, qu'est-ce qu'il peut tenter? Il tente de tempo, d'aller le plus loin possible, de faire perdre du temps à l'autre team parce qu'il est très isolé. Il a quand même réussi à mettre un bon coup de marteau. Ok, voir qu'il prend la balle par au-dessus et qu'il se dégage. Ok, ça reprend la balle, ça va repartir dans l'autre sens. 2-3, c'est Espagnol qui gagne. Ils ont juste à tempo. Et donc on aura droit à un troisième match entre les deux équipes. Voilà. Quelques mains marquées pour la fin. Mais c'était trop tard. Ok, on va voir les points. 3 TD de game. 1, 2.